Et voilà, on est en direct sur YouTube. On va partir de l'office de tourisme du Moyen-Orient pour aller visiter Burn 2, Burning Man Régional. Et on va donc prendre le landmark qui se trouve dans ma liste, moyen téléporté. Voilà, on arrive. Hop, et là on arrive dans ma maison. Le thème c'est le pain d'épices, la maison en pain d'épices, très américain. Et c'est le thème donc du Burn to Winter Burn to, le Burn to d'hiver. Donc depuis le début, Burning Man est aussi sur Second Life. Et encore plus pendant le confinement l'année dernière. Mais là, il commence à y avoir du monde parce qu'il est déjà 8h45 en Californie. Donc il commence à y avoir du monde. Et c'est le soir au Japon. Donc du coup, il y a à la fois des Japonais et des Américains. Enfin, des Asiatiques en général. Donc on va visiter. Alors déjà, on va visiter ma maison, hein, j'ai oublié. Alors, ça, c'est ma petite maison. C'est ce que j'ai fabriqué sur le terrain qu'on m'a laissé. Donc on laisse un terrain aux artistes. Ou à des créateurs de Second Life, et bon, ils font donc une installation, et moi j'ai fait la maison de la Moya House, Ginger Moya Lands Gingerbread House. Franchement, pas très bien en VM. Et donc on avait droit qu'à 300 primes, c'est-à-dire 300 objets ou triangles en fait, pour les 3D, donc j'ai dû limiter un petit peu mes ambitions, mais je suis arrivé à 300 primes pile. Donc on a les petits bonhommes en pain d'épices. J'ai fait une table avec Moya qui présente un petit bonhomme en pain d'épices. Il boit le vin Moya, ils ont des petits verres Moya. Il y a une boîte que j'avais fait pour un pâtissier à Metz il y a longtemps. J'ai customisé les assiettes et il y a l'ours qu'a fabriqué Camerina, l'assistante, la bulldoze du Moyaland qui est là. Et Camerina a aidé pour fabriquer, pour réduire légèrement ce qu'on appelle les mèches, pour restaurer, refabriquer ce que j'avais dessiné dans Paint 3D. Voilà. Il y a même un lustre. Et dessus, on a mis des petits Smarties Moya. Alors derrière, il y a un bel endroit. Là, il y a un endroit qui est pas mal derrière. On va visiter un petit peu. Donc ici, il y a un truc qui est pas mal ici. C'est une petite maison, tout en mèche. Ici, c'est assez beau. C'est assez marrant parce que c'est très très bien fait. Voilà. Et après il y a d'autres espaces. J'ai un voisin là qui m'a parlé l'autre jour. Là il y a une autre petite maison en pain d'épices. Alors certains sont des artistes de Second Life et d'autres sont des créateurs en fait, des créateurs de Second Life qui vivent de la fabrication de mèches, qui présentent ce qu'ils font. Ou qui ont fait exprès les éléments. Alors là, je crois qu'il a installé une petite sorte de boîte de nuit là dans ce. Mais il n'est pas là. Ah là, il n'est pas là. Bon. Donc, on va aller voir là où il y a les DJ. Il me semble qu'il y a des soirées là maintenant. Alors on va courir. Toc, toc, toc. Là en face, la texture n'est pas chargée. Hein, mais bon, ça va se charger. Alors on va courir. Toc. Allez, il y a quelqu'un à côté. Non, c'est quelqu'un. Oh, c'est une sculpture animée. C'est ce que tu veux. Hop, on va aller voir par là. Youp. Voilà, là il y a le grand burn, ce qu'on appelle le Burning Man, c'est-à-dire qu'il va brûler donc à la fin, le 30, il va brûler. Et là je vois qu'il y a une soirée ici. Il y a peut-être une. Il y a plusieurs soirées en même temps. Il peut y avoir des DJ sur plusieurs points. Voilà, il y a un petit. Bon, c'est en direct sur internet d'ailleurs. Alors là, non, il n'y a que deux personnes. Attends, je vais rapprocher la carte pour voir où sont les gens. Ah non, ils sont derrière, ouais. Ils sont là-bas. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils sont en l'air? C'est bizarre. On dirait qu'ils sont en l'air.
Il n'y a rien en l'air pourtant. On va aller voir. Comment ça se fait qu'ils sont en l'air? Ah, il faut se téléporter. Ah, d'accord. Bon, on ira après. Alors, on va déjà visiter, puis on ira après. Ah, on m'a dit bienvenue, mais à qui note? Voilà, là il y a de différentes choses. Là, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. On va aller voir. Ah non, ça c'est l'entrée. Ouais. Alors, on passe dans l'autre sens. Enfin, bon, là, normalement, c'est l'entrée. Ouais. Là je vois quelqu'un, c'est qui? Ça c'est Suzy, voilà. Ah, il y a peut-être une soirée japonaise, tiens. Voilà. Alors s'il y avait le choix entre Gingerbread et le Jack Frost Effigy, qui sont les deux. Ça a l'air d'être deux symboles assez américains de l'hiver, et donc moi j'ai choisi Gingerbread. Là, il y a encore quelqu'un là qui est là. Il y a Alvin Negginson. Ah, c'est dans le sky, elle me dit. Bon, alors il faut aller dans le sky, dans le ciel. On va aller dans le ciel. On va quand même visiter rapidement. Voilà, là il y a Burn to Rangers. Là c'est l'endroit où se trouvent les Rangers. Les bénévoles, et là donc c'est dans le ciel. Alors on va aller dans le ciel, allez. On va se téléporter. Alors je sais pas si c'est une soirée ou si c'est... Oups, voilà, on arrive. Oula, ah c'est lumineux là. Aïe aïe aïe, oula c'est trop lumineux. On voit rien. Oula là, la lumière. Alors là c'est un petit peu lumineux. Ah ça y est. Ah, parce que oui, j'avais pas tout chargé, je pense. Ah, c'est peut-être des Japonais, ça, je pense. Ah oui, c'est Suzanne Tracy. Oui, ils ont tous des noms japonais. Ah, c'est des Japonais. Alors, je vais danser. Comment je danse? Est-ce qu'il y a une boule de danse? Ah, il y a DJ Puddles qui est là. C'est bizarre le sol, je sais pas ce que c'est. Ah voilà, ça y est, voilà, tout est chargé, sinon c'était pas chargé. Alors, je sais pas où est la danse, donc je vais danser, je vais prendre une danse à moi. Ah non, il me donne une danse. Voilà, ça y est. Voilà, c'est bon. Alors je vais couper ma voice, comme ça on entendra mieux la musique.
Donc, je vais retourner en bas, au niveau du sol. Je vais repartir directement dans ma maison. Voilà, je retombe dans ma maison. Il faut que j'arrête mon animation. Stop animation. Voilà. Voilà, on est revenu à la maison de pain d'épices. Et comme ça, on va continuer la visite. Ah non, je continue de danser, zut. Avatar, stop animation. Voilà. On va retourner par là. On n'a pas été de ce côté-là, voilà. On n'a pas été par là. Alors là, on a le petit camion. Alors, on ne voit pas toutes les textures parce que comme j'ai chargé toute l'île, il faudrait que je baisse la distance. Voilà, pour voir les textures. Mais pourquoi je danse à chaque fois? J'arrive plus à arrêter mon animation. C'est étrange, ça me refait danser tout le temps. Bon. Voilà, donc ça c'est un bus. On va aller voir le reste, à la suite. Voilà, donc là il y a une petite maison avec un cheval en haut. Le petit bonhomme en pain d'épices. Là, il y a une petite. On dirait une sorte de. Ah, il faut jeter des boules, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Alors là, on doit pouvoir monter. Welcome to Winterburn, everybody. This is DJ Tori. You were listening to Jack Frost, performed by Rick Wakeman. Yes, the Rick Wakeman. Very big thanks to Seasonly, who's helped me set up, and now how about we get everything started with a very special introduction. She walks on the ice with slow steps, in fear of falling. On monte là. Advance là. With care. Je sais pas si on monte là. Then to step forth strongly, ah, oui. Fall to the ground, ah. And again run boldly on the ice on until it là. Cracks. And breaks. Là. Non, to listen as from the iron portals hop, rush hop, winds hop, 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 from hop, south hop, hop. And north, all the winds in contest. Ah. Such is ah, voilà, ça surveille le lieu. Such the joy. Là, je vais remettre la distance, la grande distance. Ah, tiens, on voit ma maison là-bas. Ouais, je vais sauter. Bon, je vais arrêter la voice. Ladies and gentlemen, this is Captain Gollum speaking with this assistant DJ Camp. Welcome aboard on Global Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Cosmic on crazy. Can't you feel the heat? Black Rock City, where the girls are ready to know.
Yes, welcome to Black Rock City here in the desert. Now, I think since we're in a land of gingerbread and fairy tales, Dance of the Sugar Plum Fairy by Tchaikovsky may be appropriate. So wonderful to see everybody. Very big hello to all of you. Now, I have taken inspiration from what I have seen around me the last couple of days here. So, and rather appropriately, since we have a pony here, I hope, I'm going to play Pony Time by Chubby Checker. Enjoy it, everybody. It's Pony Time! Get up! Boogity, 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 shoot! Do the pony with your pony!
Gingerbread houses about, of course, you think of witches. So this is Bewitched by Howard Greenfield. Voilà, on va bientôt quitter. Je vais juste aller voir quelque chose. Je vais aller voir si et quels sont les horaires. Parce que malheureusement, je ne suis pas là ce soir. Mais... Là, il est quelle heure en ce moment? Il est 9h17 aux États-Unis, enfin en Californie. Donc, attention. Hop, voilà, je vais aller voir à l'entrée le panneau. Je vais aller voir les horaires. Alors, attention. Alors, je vais baisser la distance pour que ça se charge plus vite. Voilà.
Alors, les horaires. I hope you're all wiggling your noses donc, there. 10h. Now we have Candyman with Christina Aguilera get dancing while I try to get dancing on stage. Ah, mais on est où? On est quand là? 10 p.m. Plus loin. Alors, je confonds toujours les horaires, moi. J'ai toujours du mal avec les horaires. Alors, je l'ai regardé plutôt par là. Non, il n'y a pas d'autres horaires. Bon, ça fait rien. Bon. Il faudrait que je vois la procession quand est-ce qu'elle est. Je vais regarder le calendrier plutôt. Je vais regarder le calendrier. Bon allez, on va retourner sur mon île. Bernard, ce qui est là. Bonjour. Content de te voir. Ah ben, faut que je dise bonjour. Ah non, je sais pas si c'est à moi que je dis ça. Je sais pas. Bon, allez. En avant. Je vais aller chez moi. Non, me téléporter chez moi. Je vais voir s'il y a quelqu'un. On sait jamais. Voilà. Allez, on arrive à la maison. Voilà, le temps que ça se charge. Hop, voilà. L'office de tourisme. Regardons l'office de tourisme. Tout est là. Et on va retourner donc dans le monde réel. Voilà. En avant. Et à bientôt. Peut-être demain, je serai à nouveau en direct de Burning Man. En avant.